On les a dit snobés par Elisabeth II le 9 mars dernier lors de la journée du Commonwealth. Pourtant, Meghan Markle et le prince Harry ont toujours une place dans le petit salon privé de la reine. Mercredi 11 mars, tandis qu'elle recevait le professeur Mark Compton, qui lui a remis la médaille de l'ordre de Saint-Jean, The Mirror a remarqué sur les photos prises lors de cette rencontre un petit détail, sur une console près de la cheminée, trône un cliché du couple Sussex, pris lors de leur fiançailles en novembre 2017. Il n'est pas rare cependant qu'Elisabeth II réorganise régulièrement la disposition des photos de ce petit salon. On se souvient en effet qu'en octobre dernier, certains avaient déclaré que la reine était fâchée avec le couple, au point de faire enlever cette photo du guéridon. Alors qu'en réalité, ce cliché était peut-être simplement placé dans un autre endroit de la pièce. La monarque ne semble donc pas afficher une quelconque colère face au couple, qui a décidé de se retirer de ses obligations royales et de ne plus être des membres actifs de la monarchie britannique. Compréhensive, elle s'était même entretenue en tête-à-tête avec le prince Harry avant son retrait. Une décision qui prendra effet dès le 31 mars prochain, même si lors de leur dernier engagement, le duc et la duchesse de Sussex ont déjà dû se plier à ce nouveau statut, en passant au second plan. Ce privilège qui a été retiré à Meghan et Harry restait tout de même proche d'Elisabeth II qui l'ont accompagné à la messe le 8 mars dernier, Meghan Markle et le prince Harry se sont vus refuser un privilège particulier lors de la cérémonie du Commonwealth, remonter l'allée centrale de l'abbaye de Westminster aux côtés de la reine et des autres membres de la famille royale, comme Kate Middleton, le prince William ou encore le prince Charles. Dès leur arrivée, après avoir salué quelques personnalités, les Sussex ont en effet été conduits à leur place, où ils ont attendu l'arrivée des autres Windsor, comme le couple Cambridge qui les a froidement salués. But you wish that I was things I would do too.